sommes à la galerie Marassa à Pétionville. Marassa avec comme curatrice Michel Gerber-Frisch. Michel Gerber-Frisch qui travaille dans le milieu de l'art depuis 43 ans. Et Michel Frisch, dans le cadre du Printemps de l'art, organise une exposition qu'elle a titrée Marassa. Ce n'est pas par hasard, parce que Michel vient d'une lignée de Marassa, sa mère, et elle aussi a un frère jumeau. Bonjour Michel Frisch. Bonjour Émy Prophète. Alors, nos téléspectateurs et téléspectatrices vont se demander pourquoi tu es assise, mais c'est parce que l'année dernière, tu as eu un petit accident et là, tu es momentanément assise voilà. Dans une chaise. Voilà. Donc voilà. Et là, Michel, nous sommes en face d'une magnifique toile. C'est un paillasse. C'est ça. Paillasse, ça fait longtemps qu'il peint, mais je ne l'avais jamais vu dans cette dimension. Mais on le reconnaît, il a son style propre, le visage et puis tous les motifs autour. Michel, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de Paillasse? Bon, ça, il l'appelle La Famille, mais c'est une œuvre qui n'est pas récente, je dois dire, il l'a fait tout juste après le tremblement de terre. Donc, je pense que c'est une façon aussi de montrer ou de nous faire découvrir tous les personnages qui existent dans une famille, mais aussi tous les personnages qui existent en Haïti, puisque quand nous marchons dans les rues, nous voyons du monde partout. Donc, je pense que c'est l'histoire de tous ces personnages. Je pense que c'est ce qu'il a voulu nous montrer. Et je dois dire qu'on découvre cette œuvre au fur et à mesure. Voilà, et moi, j'ai vu un ou deux tableaux de lui, style haché, mais en même temps très cohérent, où il y a des visages qu'on essaie de reconnaître derrière plein de motifs qui sortent. Mais vraiment, c'est une très belle technique et vraiment une technique très maîtrisée surtout. C'est ça, et je dois dire aussi que moi, ce qui m'a vraiment intéressé dans cette œuvre, ce sont aussi les couleurs et la façon dont il a utilisé sa palette. Voilà, un artiste qui mérite d'être un peu plus connu, oui. Qu'on peut retrouver à la galerie Marassa, et particulièrement ces jours-ci, dans le cadre de Marassart, dans le cadre du Printemps de l'art. Tiens, j'ai dit cadre deux fois. Et Philippe Daudard, un artiste constamment exposé chez Marassa. Constamment exposé chez Marassa, qu'on reconnaît aussi, peu importe le style qu'il adopte, que ce soit des formes abstraites, cubiques ou des formes humaines. Et là, nous avons trois tableaux qui se ressemblent un petit peu, où on croit reconnaître des gens dans une brume, un brouillard, des gens qui marchent, qui sont debout, ça dépend. On peut interpréter comme on veut Philippe Daudard, et ce sont des Philippe Daudard de l'année 2020. Oui, ce sont des toiles qu'il a peintes justement en se promenant beaucoup à la montagne ces derniers temps. Donc Emilia a tout à fait raison quand elle a parlé de brume, parce que ce sont les marchandes qui rentrent, celle-là, c'est des marchandes qui rentrent le soir chez elles après avoir travaillé. D'ailleurs, on peut voir que les paniers sont un peu vides. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est la posture de tous ces marchandes et surtout le panier sur la tête ou certaines. Une des toiles aussi, on voit aussi, peut-être pas un panier, mais comme on appelle en Haïti, beaucoup de goyo, parce que c'est un problème qui est tout à fait d'actualité. Donc c'est ça. J'aime beaucoup cette collection parce qu'elle rappelle un peu comment il travaillait avant, et je pense qu'il revient un peu ces jours-ci à une facture qui est un peu plus une facture des années 90. Oui, et là, moi, j'aime beaucoup cette toile où on se dit c'est peut-être la lune, parce que là, on parle du retour des paniers vides. Il y a toute une ambiance et tout un monde dans lequel on aurait envie d'entrer, qu'on aurait envie de visiter. Et Philippe Daudard aussi est là, dans Philippe Daudard, et justement, 2018, on est en 2018 et là on est dans les formes, dans le trait cubique de Philippe Daudard. Je dois dire que ça, cette toile m'a beaucoup fait penser à Alfredo Lam. Mais en même temps, l'idée de cette toile, ce sont les banques et c'est tout le problème de l'immigration des Haïtiens qui émigrent d'un pays à l'autre et un peu aussi un clin d'œil au Good People. Donc les couleurs, c'est un peu les couleurs du soleil couchant, mais aussi les couleurs de la mer.
C'est une toile très forte que moi personnellement j'aime beaucoup. Oui, c'est des barques. Et là aussi, ouais. On dirait qu'il est toujours dans la même thématique. C'est ça. Des barques, du voyage, de l'infini, mais totalement dramatiquement différent, un tableau dramatiquement différent de celui-là par les couleurs d'abord. Là, nous sommes dans les notes de beige, de blanc, de noir. Et voilà. Et aussi très différent au point de vue technique. Technique, parce que exactement. Ça, c'est inspirer les encres avec les coulis de peinture noire au lieu de l'encre, ça c'est de l'acrylique. Et voilà, nous sommes en face de Nazito, là l'école en face au Tigard, on pense à Saint-Soleil. Nazito qui est le fils de Prosper Pierre-Louis et qui s'est mis à la peinture aussi. Donc très reconnaissable aussi. Et moi ce que j'aime avec Nazito, c'est la somme de détails qu'il y a dans son travail. Si on regarde l'oiseau là, chaque oiseau, il a pris le temps de peindre. Tu vois, des étoiles, on peut les appeler comme ça, à défaut de notre mot, sur le corps de l'oiseau. Mais chaque personnage, chaque élément est très particulier et on sent qu'il y a énormément de travail derrière. Même le nez, on peut voir le travail du nez, les petits croisillons et tout, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Ouais. Moi, j'aurais bien aimé lui demander combien de temps ça lui prend pour faire une toile comme ça. Une toile qui a dû lui prendre énormément de temps. Voilà, c'est vraiment un travail d'orfèvre. Et il y a une harmonie dans les formes attachées à chaque personnage qui est remarquable aussi. Par exemple, il a fait des points, mais on n'a pas l'impression que les points soient différents. Et on dirait qu'il y a une symétrie, une mesure qui a été respectée. C'est formidable. Même les petites boules là, oui. Où elles sont toutes de la même dimension, je ne sais pas. Magnifique, c'est ça. Magnifique. Et donc, il y a vraiment du boulot derrière. Vraiment une très belle œuvre. Une très très belle œuvre. Et il est souvent dans le noir et blanc, Michel. Oui, souvent dans le noir et blanc. Souvent dans le noir et blanc. Et c'est un style. On se déplace, et je pousse Michel, et ça me fait plaisir. Et ce peintre, j'ai déjà vu l'exposition, j'ai beaucoup aimé le style de ce peintre. J'aime les couleurs qu'il utilise, j'aime son parti pris esthétique, et tu nous parles un peu de lui? Oui, lui c'est Olivier Bertoni, il a étudié en République Dominicaine, et il habite aussi en République Dominicaine. Donc, il travaille avec la galerie Marassa. Je pense que maintenant, ça doit faire notre quatrième ou cinquième exposition. Où on l'a eu en one-man show, mais là, on l'a avec le collectif des artistes. Donc, on a eu davantage d'exposés pour la fin de l'année. Et ce que j'aime beaucoup aussi, ce sont ces aquarelles et ces acryliques. Donc, il évolue bien. Oui, J'aime beaucoup son travail parce qu'il a sa propre personnalité. Tout à fait, il a trouvé quelque chose, il a trouvé une filière, ouais. Et on peut le confirmer dans les deux toiles qui sont là. Ouais. Il a trouvé, il a vraiment trouvé une marque, quelque chose qui lui colle. Oui, il a sa propre facture et là, au début c'était un peu différent, il se cherchait, mais là je pense qu'il s'est vraiment trouvé. Et à côté de lui, il y a... Maxence Jean-Louis. Un nom qu'on a déjà entendu. Oui, Maxence Jean-Louis aussi, si on veut inspirer de Saint-Soleil, je ne pense pas qu'il a vraiment imité Saint-Soleil, mais il a travaillé à une époque avec Tigard. Donc, je pense que Tigard a beaucoup inspiré, et aussi, c'est peut-être de la vie haïtienne, là on voit une mère avec son enfant, mais on voit aussi la famille. Je pense que les artistes de Saint-Soleil ont beaucoup peint la famille, finalement. Oui. Maintenant que j'y pense, que ce soit Prosper Pierre-Louis, que ce soit Le Roi Exil, maintenant Maxence Jean-Louis et aussi Payas, et même Louisiane Saint-Florent a souvent utilisé ce thème, cette thématique. Donc c'est ça, c'est aussi la lumière, les couleurs, mais il a ça aussi sa propre facture. Une fois qu'on voit Maxence Jean-Louis, on reconnaît ses œuvres. Voilà, il utilise des couleurs fortes, de l'orange, du jaune, du bleu, du vert. Et c'est très très joli, tous ces visages qui sont derrière, comme des lianes, des feuillages. On dirait même des accessoires de Noël. Tout à fait. C'est très joli. Tout à fait. Ça a l'air d'être dans une forêt au fond. Oui, effectivement, oui, on sent la verdure, on sent. Oui. Et là, on est toujours à côté de lui, là, on est toujours
avec les artistes de Saint-Soleil ou d'Inspiration Saint-Soleil, avec Martial. C'est ça. Ce qui est différent peut-être dans ces œuvres de Martial, c'est que d'habitude, Martial travaille avec plusieurs couleurs. Mais là, je pense qu'il a choisi pour cette expo de montrer justement des œuvres avec une teinte. Ça veut dire le rouge, le noir, ouais, le bleu. Une teinte dominante. C'est ça, une teinte dominante. Et celle-là qui est comme un fond sous-marin à côté, avec des personnages. Ça peut être aussi des méduses. Moi, je suis très, très impressionnée par la somme de travail que les artistes abattent. Et vous voyez, le fond aussi, on dirait les petites paillettes. C'est ça, des drapeaux. Les drapeaux vaudous. On dirait comme un drapeau vaudou. Et là, on est dans un univers presque spatial, avec le vert qui est à côté, on dirait des étoiles. Voilà, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Et le très, très coloré Gutenberg Chili. Gutenberg Chili, lui, c'est un artiste avec une barbe, avec un coup de pinceau, on va dire. Très, très, très reconnaissable. C'est ça. Et là, ce sont ses œuvres de 2020, un peu plus sobres, on dirait, que celles d'avant, Michel. Oui, oui. Enfin, je trouve que celles-là sont quand même beaucoup plus dépouillées, malgré que elles sont... C'est difficile à dire dépouillées quand il y a tellement de symboles et tellement d'éléments dans l'œuvre. Mais ça a l'air beaucoup plus cohérent et les détails sont... Encore énormément de travail, beaucoup de détails, beaucoup de petits points, je dois dire. Oui, oui. Il a réussi à trouver sa propre personnalité. Et là, nous allons chez un très grand, Kili. Kili est dans le cadre du printemps de l'art. Il a cette particularité qu'on le retrouve quasiment sur toutes les expositions. Il est partout, il est dans toutes les galeries, il travaille beaucoup. Et là, on le reconnaît très vite avec les têtes. Les têtes de très très belles couleurs, un peu il est très fluo qu'il y. Oui, tout à fait. Fluo, vert, rose, jaune, voilà. Et l'année dernière, il y a 2 ans de cela, il était passé à autre chose totalement, et puis on l'a retrouvé avec les têtes. C'est ça, il était beaucoup plus abstrait, c'était juste des lignes et on sentait beaucoup de pâte. On voyait comme... comme une construction en général dans l'étoile il y a 1 an, 2 ans. Et là, il revient avec les têtes et j'aime beaucoup cette œuvre en particulier. Oui, celle-là est très Il a très ajouté bien. Le feuillage. Le feuillage, oui. S'il avait déjà le feuillage dans d'autres œuvres, mais celle-là, on sent beaucoup plus le vert, beaucoup plus la forêt, la verdure. Il y a une domination de la verdure. C'est ça. Et le fond est très, très, très travaillé aussi. Est très travaillé. Je dois dire que les artistes sont. Très prolifique ces jours-ci, ce qui fait vraiment plaisir. Très prolifique, il se renouvelle et il y en a d'autres qui arrivent. C'est ça. Par exemple, Bertoni, là, qui fait une montée en puissance. C'est ça. Dans le monde de l'art. Et Pasco, cher monsieur Pasco. Et voilà, on ne voit pas de saint. Michel, je ne sais pas non. Si toi tu vois non, de saint. Là, il n'y a pas de saint. Il n'y a pas de saint. Mais j'ai aimé, et pour vous présenter ça, ce sont les œuvres sur papier. Et je pense qu'en Haïti, on n'apprécie pas assez les œuvres sur papier. Et ce sont deux très belles œuvres, effectivement. Pas de saint, ce sont des cactus, mais des cactus qui sont peut-être phalliques. Voilà. Donc, c'est différent. Mais les couleurs sont très, très belles. Et je pense que, enfin, voilà encore une autre, que quand on voit maintenant une œuvre, on se dit c'est du Pasco. C'est du Pasco. En tout cas, ce sont de très, très belles œuvres qui sont réunies à la galerie Marassa. Sous le titre Marassar jusqu'à la fin du mois de janvier dans le cadre de Haïti, le printemps de l'art. On a fait le tour avec Michel Gardère-Frisch, mais vous pouvez passer à n'importe quel moment de l'année à la galerie Marassa. Et ce que j'aime avec la galerie Marassa, c'est une galerie que j'aime, c'est que la scénographie est toujours super bien faite. Merci beaucoup, Michel. Merci, Émilie, ça a été un plaisir et merci de m'avoir accompagnée. Voilà, ça m'a fait plaisir.